Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à l'Eurocat, premier événement en France de catamaran de sport. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Collet, PDG de Hobbycat Europe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Aujourd'hui, à cette occasion, vous nous présentez un nouveau bateau, le Wildcat. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Donc le Wildcat, c'est le nouveau F-18 de chez Hobbycat Europe. C'est un bateau que l'on a développé avec un architecte naval connu dans l'univers du multicoque, qui s'appelle Martin Fischer. C'est un bateau, c'est dans la nouvelle génération des bateaux de sport, avec des carènes beaucoup plus pointues que nos anciens bateaux comme le Tiger. On a une étrave inversée, on a des appendices très très fins. Très grand également, on a une dérive qui fait plus d'1,80 m. Et puis c'est un bateau qui a été pensé avec les coureurs, dans l'entreprise. C'est un concentré d'intelligence et un concentré de performance pour avoir un produit que l'on souhaite être le plus compétitif pour les années à venir en F-18. C'est un bateau qui est réservé pour une élite ou c'est un bateau pour monsieur tout le monde ? C'est résolument un bateau de sport, un bateau de compétition. C'est pas un bateau, c'est pas, on va dire, c'est pas un bateau de loisir, c'est un bateau de régate. Donc sa première vocation, c'est de gagner des courses. Alors la grande question, c'est que va devenir le Tiger ? Alors la particularité du Tiger, c'est que le Tiger est une formule ISAF, donc c'est une classe ISAF à part entière, et c'est également un bateau qui court en F-18. Donc le bateau n'est pas mort en lui-même, puisque c'est un bateau qui organise toujours ses mondiaux. Donc il y aura un mondial Tiger prochainement, il y a un européen également Tiger en Italie cet été. Donc c'est un bateau qui va continuer à vivre sa vie comme toute classe ISAF. Le Wildcat, arrivant lui comme un nouveau bateau dans la F-18. Ça n'est pas une classe Hobbycat pour l'instant, c'est un bateau qui navigue en F-18. Il est fort probable que dans les années à venir, ça deviendra une classe ISAF à part entière Hobbycat. Mais laissons-les vivre tous les deux. Alors, vous nous avez parlé de quelques caractéristiques techniques. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi peut-être sur le gréement, de nouvelles évolutions ? Alors, le gréement, la particularité du gréement, c'est que depuis quelques années, nous n'avions absolument pas fait évoluer notre mât, et c'est un nouveau mât. Donc, c'est un nouveau profil de mât. Ce sont des nouvelles voiles également, puisque qui dit nouveau profil de mât, mât plus L, ça dit un gréement modifié. Et puis après, bah, globalement, c'est l'évolution normale des 10 dernières années qui nous amène à avoir un bateau peut-être un petit peu plus puissant. Alors je crois que vous nous proposez aussi une interview avec un coureur. Oui, absolument. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter Kinou, qui navigue sur le bateau depuis plusieurs mois et puis qui en ce moment a profité de l'Eurocat pour le tester grandeur nature, puisque c'est la première fois qu'on le met sur un plan d'eau et qu'on le compare avec les autres bateaux F-18. Eh bien, on le retrouve tout de suite. Merci Jean-François. Merci. Alors, je me trouve maintenant avec deux coureurs du team Hobbycat qui sont... Alexandre Guyader. Jean-Christophe Mourgnac. Alors aujourd'hui, c'était votre première sortie pour le bateau ? Sur ce bateau ? Première sortie en raid, oui, parce que c'est la première fois qu'on fait un raid. Hier, on a fait une sortie en régate sous forme de banane. Donc on va dire que c'est le deuxième jour, quoi. Alors quelles sont vos impressions sur ce bateau ? Plus vraiment à l'aise au pré dans le vent. Et en fait, on le découvre jour après jour, quoi. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Et vous, Kinou, vos impressions ? Moi, mes impressions, elles sont excellentes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le développement. Et les impressions sont très, très bonnes. Maintenant, il va falloir apprendre à naviguer dessus. Il va falloir apprendre à le connaître. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se rend compte qu'on a des petits trous. Et je pense que ça vient plus d'un problème de coordination ou de nous, avec des réflexes qu'on avait avec le Tiger, qui aujourd'hui sont peut-être plus vrais avec ce bateau-là, quoi. Donc il faut chercher. Mais le potentiel est là parce qu'on se retrouve... déjà dès les premières manches devant, donc je pense que ça va. Oui, vous êtes devant, mais ceux qui ont le même bateau, ils en sont où sur le classement ? Ah ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement, mais non, je pense que l'impression générale de tous les gens qui ont essayé le bateau, il y a quand même un feeling qui est très 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 agréable. Maintenant, je vous dis, c'est un bateau très très performant, avec des appendices qui sont très fins, du coup, ça change vraiment du Tiger, du coup, il va falloir quand même qu'on s'y habitue, quoi. Performance, ça veut dire technique peut-être ? Oui et non, ça dépendra des conditions. Ouais. C'est vrai que dans le Titan, il a l'air d'être un peu plus fin que les autres bateaux pour l'instant. C'est qu'on n'est tout simplement pas habitué, mais il y a du potentiel. Ouais. Alors quelles sont les grandes différences par rapport au Tiger ? Qui veut répondre ? Par rapport au Tiger, c'est déjà il y a la plateforme, si vous voulez, les poutres, tout est reculé.
Donc la ligne de flottaison est beaucoup plus tendue, beaucoup plus de volume aussi, et surtout des appendices beaucoup plus fins. Du coup, les appendices fins, ça a un avantage, c'est que on a un feeling qui est vraiment très très souple. Donc je pense qu'en vitesse, en ligne droite, potentiellement on peut aller plus vite. Sur les départs, sur des zones de transition, etc., c'est vrai que ça va demander une certaine technique, il va falloir s'y habituer. Aujourd'hui sur le raid, vous avez fait beaucoup de spi, quelles sont vos impressions avec cette voile? Avec les voiles? Avec le spi notamment. Sous spi ça va bien, carrément bien. Aujourd'hui on avait une bonne vitesse sous spi, malgré le petit temps, ça allait pas mal. Ouais. On n'avait rien à envier aux autres bateaux. Ouais. Donc pour conclure, une dernière impression pour donner envie aux personnes qui aiment beaucoup la marque de venir essayer ce bateau et surtout l'acheter. Ouais, l'essayer, c'est sûr qu'il faut l'essayer, quoi. Même si on n'a jamais navigué sur Obicat, parce que c'est quand même, je pense que c'est quand même un bateau qui est très très nouveau, quoi. Du coup, ça vaut le coup de l'essayer. Et maintenant, l'acheter, ça nous paraît une évidence parce qu'on navigue dessus et dans quelques temps, on va montrer que le bateau, je pense, ça va être le meilleur du marché, quoi. Un petit mot? La même chose. Pareil. Ouais. Bonne navigation et puis au plaisir de vous retrouver sur les podiums. Ouais. À bientôt.